Vocaligra, vocaligra, vocaligra. Est-ce que je dois m'acheter un micro? Un guitariste à sa guitare, un pianiste à son piano, ils ont tous leur ampli et moi, je suis là, je regarde les micros, j'aimerais bien en avoir un. D'accord, si ça te fait plaisir d'avoir un micro, achète-toi un micro, mais demande-toi quand est-ce que tu vas l'utiliser, avec quel autre matériel, parce qu'un micro doit être rattaché à un ampli, à plein de choses, à éventuellement un compresseur, à... enfin, à plein de choses qui vont embellir ta voix. Mais tu sais, il y a des ingénieurs du son pour ça. Et si tu veux absolument un micro, achète-toi un micro, mais moi, ce que je te dis, c'est utilise cet argent pour prendre des cours de chant, pour prendre un coaching, pour améliorer ta voix, ton instrument en tant que tel. Parce qu'il faut que tu apprennes à chanter sans micro. Et quand tu chantes, tu sais bien chanter sans micro, le micro va amplifier la beauté de ta voix. Alors les chanteurs, ne dépensez pas votre argent inutilement, autrement qu'en formation. Allez voir un bon professeur, prenez un bon coach, prenez une séance, deux séances, trois séances, le prix d'un micro. Et après, quand vous chanterez dans le micro, ça va déchirer. Mais je ne vous empêche pas de vous acheter un micro, hein, mais ça va tellement vite. Hein. Chaque année, il y en a un nouveau, encore mieux, qui sort. À bientôt les rois et les reines, et gardez votre valeur pour vous. C'est vous la valeur. Ne la dépensez pas pour rien. Mais bon, ce n'est que mon avis.